Coucou. Oh, c'est la panique. Pourquoi j'ai mes lunettes de soleil un 31 décembre? Parce qu'en fait, super. Regardez mes lunettes de vue. Elles se sont pétées. Je suis dégoûtée. Je ne peux pas rester sans lunettes. Vous imaginez bien que je file là. Voir ce qu'ils peuvent faire. Je suis dégoûtée. Bref, en rentrant, je vous montre ce que je vous avais prévu. Ah, puis j'ai plus de batterie. Ça s'est vidé. Non, mais là, la journée qui commence bien. Je reviens, Jack, c'est bon. C'est pas le moment, hein. Bon, par contre, si elle me dit qu'il faut mettre du scotch là au milieu, non, j'en ai l'air con, c'est possible. Oh. Je crois qu'il va y avoir de l'efficacité. Elles sont en train de chercher des modèles qui pourraient me dépanner. On en parle de mon look. Je suis partie à l'arrache. Bonjour. Je me suis changée parce que je me suis rendu compte, j'étais tellement vite, j'avais du dentifrice, je crois. Super. Je suis arrivée chez Optique 2000, j'avais mes lunettes de soleil, et j'ouvre la porte, j'ai fait. Sauvez-moi. Et elles m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont arrivées. Bon, ok, on s'en occupe. Elles ont regardé des montures qui s'adaptent à mes verres. C'est pas évident, elles n'avaient pas des masses. Parfait, donc j'ai 7 montures de prêt pendant une semaine. Le temps que, parce qu'elles sont encore sous garantie, mais mon boussin, donc c'est cool. On va carrément les changer et d'ici une semaine, voilà. Voilà, donc c'est formidable. Ça me serait arrivé, genre, à, parce que ça ferme à 17h30, vu que c'est Saint-Sylvestre, ça me serait arrivé en fin d'après-midi, j'étais mal. Enfin bon, bref, voilà, très très efficace chez Optique 2000. Là, je pars chez But, je vais aller voir pour des meubles, parce que je vous montre pas, je veux que... J'ai commencé, hein. ça va être canon, la déco va être canon. Je préfère vous montrer quand tout sera terminé, donc là, je vais aller voir pour une console. Après, je file vite fait à Leclerc, prendre 2-3 trucs, et en rentrant, je vous explique, je vous montre... Également les deux petites choses de chez, deux, trois petites choses de, au Serre de Lonne. Et je vous explique le programme de ce soir. Bon, c'est pas ouf hein, au niveau des consoles. Par contre, le fauteuil, il est très joli. Voilà, on est vraiment sur du basique. Je cherche également un grand tapis du style 230. Parce que celui que j'ai, il est un petit peu petit et il est surtout déjà pas mal passé. Ah, ça c'est celui que j'avais pris pour mon bureau. Il fait combien? Ah, il fait 2,30 aussi, c'est un grand. Hein. J'en cherche un qui soit uni. Ah, il est beau quand même celui-là. Il n'est pas uni, mais il est beau. Ouais. Je sors de Leclerc, je pensais que ça allait être la folie. Ça va, il y avait du monde, mais sans plus. Les lunettes, je ne vous les ai pas montrées de près, elles sont vraiment jolies. Hein. Elles sont dans les bleus. J'aime beaucoup. Je trouve que je vais les regretter quand je les aurai plus. Je file à la maison et je vous montre des choses. Je me mets de ce côté-là pour éviter de vous montrer le séjour. Concernant ce soir, en fait, nous, on réveillonne, enfin le 31, on le fait depuis des années, on le fait pas. Parce qu'on aime bien être à la maison et puis regarder un film, enfin rien faire de ouf. Et là, parce qu'en fait, tout ce qui est prévu, comme vous le savez, moi, dès que c'est un truc prévu, je sais pas, inconsciemment, je dois me mettre une pression et je me déclenche une migraine. Donc, je me suis dit, on ne fait rien, mais peut-être qu'on s'autorise au dernier moment d'aller quelque part, un truc qui est ouvert, pourquoi pas. Et comme ça, il n'y a pas de pression. Je pense que ça va être one shot ce soir, on va voir. Donc pour l'instant, il est 13h, je vais manger, je vais ranger aussi les petites courses. J'ai acheté le Sunny Delight, je ne bois jamais de jus d'orange, sauf quand je vais dans les hôtels. J'ai repris la référence, il est trop bon. J'ai pris quoi? J'ai pris forcément les petites clémentines de Corse. J'ai pris ça parce que je le fais régulièrement, genre des fois, deux fois par mois, parce qu'elle est assez vieille, la machine à laver. Et donc, je fais tourner avec ça pour l'entretenir. J'ai pris ça pour nettoyer les sols, huile essentielle, jasmin, eucalyptus, parfum longue durée. Alors, on va tester ça. J'ai pas pris grand chose, mes petites tranches de chèvre. Ça, pareil, pour, nettoyer les surfaces. J'ai le balai qui va avec. Et ça, c'est pour dépanner certains midis. Voilà. Ça, c'est un délire. J'ai toujours rêvé de manger du céleri branche en apéro. Vous savez, cru. Je testerai. Je sais que des fois, tu les fais en cocktail. Mais ça suffit un peu. Déjà, tu vas pas aimer. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme prévu au Serre de Lonne. Alors ça, c'est Eric qui l'a trouvé. On va dire que c'est presque un coffret. Hop. Alors, c'est simple comme ça, mais... Ah oui, il est limite encore plus chic, je trouve, en enlevant l'autre partie. Un très beau livre, boîte romantique, il me dit, je sais pas, ça me fait penser à ta box. Nécessaire et autres jolis riens, collection Janine Nessie. Et je pense que ça va être un livre magnifique, notamment mettre en déco. C'est toutes les histoires des petites boîtes... d'époque, je sais pas, ça peut être assez inspirant, il a raison. Donc voilà, c'est un très très bel ouvrage. Ensuite,
ceci dans la belle boutique Mademoiselle Parisienne. Il y a pas mal de pièces, vraiment de collections à des prix tout à fait différents. J'ai 30%. C'est un petit haut que j'ai pris, donc que je l'ai eu. Il est à 49, je l'ai eu à 30. Ça valait vraiment le coup, je trouve. Il faut aller sur Insta. J'ai posté des photos de la boutique. Voilà. Alors, c'est tout simple. Hein. Tout simple. Je ne l'ai pas essayé. Il était présenté sur un mannequin avec une jupe. Je vous montrerai porté, je pense, ce soir. Et avec ma carte cadeau, mais il me reste encore 100 €, j'ai pris ceci. Donc c'est rouge coco gloss rose que je viens rajouter par-dessus mon rouge à lèvres pour un petit effet glossy. Je l'ai mis d'ailleurs. Il est très beau. Et j'ai pris encore un nouveau fond de teint. Alors c'est pas une nouveauté, c'est le Dior Skin Forever Undercover. Très haute couvrance, 24 heures, fraîcheur et fini naturel que je porte. J'ai pris la teinte 022. C'est celui-ci. Et franchement, si vous voulez un fond de teint couvrant, il est pas, il fait pas matière. Je sais pas comment vous dire, parce qu'il est modulable en fait. Il est super bien. Je viens de mettre le petit haut. Regardez comme il est beau de plus près. Donc on a les petits liserés comme ça. Il est très confortable. C'est un, enfin, il est près du corps. Hein. Ça, je le savais. Il était présenté, je sais plus si je vous ai dit, mais avec une petite jupe, mais genre dorée. C'était très mignon. Moi, je l'ai mis avec un jean. Je suis déjà prête. Il est 18 h. Et vous savez quoi? J'ai téléphoné et j'ai trouvé une place au Buffalo. Est-ce que tu sais que la dernière fois qu'on est venu manger au Buffalo, oui. Tous les deux, on est pour 70 €. C'est vrai. Le même prix qu'au sable vu sur mer. Oui. Il y a un problème. Oui. Quand même. Si on s'apprête à faire une soirée d'anthologie là. Bah oui. Quand tu arrives à 19 h, à 31, il n'y a pas grand monde. Oh, t'as vu, ils ont un petit truc spécial. Oh, ça me donne envie. C'est une sucrine. Elle est très beau. C'est quoi en fait? Un daiquiri passion. J'aime bien quand t'as ta chemise noire, ça te va très bien. Merci. C'est très particulier, je crois que c'est le maracuja mélangé au citron. Le maracuja, c'est déjà fruit de la passion. Mmh, je viens de lui apprendre. Bon, moi, c'est une valeur sûre, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça commence pas mal. J'ai entendu, mais la sucrine, mais il n'y a pas grand chose. Bref, saumon, puis le riz qui est ici. J'ai l'impression de revivre la même soirée qu'au sable, sans déconner, ça ressemble. Mais j'ai peur que toi, t'en pouvais pas ça. Mais moi, j'ai kiffé. Et d'ailleurs, je veux retourner au sable. J'ai adoré. Très, très bon. Il est 21 h. Nous roulons sur une route qui mène nulle part. Je cherche. Quel est ton délire? Est-ce que tu te rappelles Blair Witch, le projet Blair Witch? Bien sûr. C'est filmé un peu à la Blair Witch. Donc j'ai envie d'un bar tabac qui ferait réveillon. Mais c'est très dur de trouver un bar tabac. Et un bar tabac qui ferait réveillon, Thérèse. On ne trouve pas de bar tabac. T'es sûr qu'on voit là? Pardon? On voit quelque chose? On voit absolument rien. Ah, on voit des formes. C'est vrai. Attends, je vais mettre les plafards, il n'y a personne. On voit très bien que ça mène nulle part. Hein. J'ai 320 km d'autonomie. T'as peur ou pas? Non, pas du tout. T'es confiante? Mais bien sûr. T'es confiante en l'avenir? Oui. Et est-ce que tu as des gens la veille? Ils ont des résolutions? Est-ce que tu as des résolutions? Aucune. Tu n'as pas de résolution? Aucune. Bon, éventuellement peut-être me mettre au sport, parce que là je paye un abonnement que je n'offre pas. Tu mettre au sport le lundi 1er janvier? Ouais, mais ça tombe pas en... Pas, non, ça tombe un dimanche. C'est quoi tes résolutions, toi? Moi, mes résolutions, je n'ai aucune. Ah ouais. Bah non, parce que il se trouve que je suis déjà avec la femme que j'aime. Et ça... Ça n'a pas de prise. Non, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver. Mais c'est loin encore ton truc. Mais tu sais au moins où on va? Non. Non, mais j'ai vraiment envie de ça, moi. Un bar tabac. Sur le zinc, ça sent le zinc. Ils disent, ta petite dame, qu'est-ce que je vous sers, tu vois? Et moi, je dirais, bah... Ta conscience va peut-être assez spécifique sur tes demandes. Attends, bébé, il y a une voiture. C'est incroyable, il y a des voitures. Ouais. Bon, j'annonce, on a roulé et on a roulé au moins pendant une demi-heure. On est dans un tout petit bled. C'est le seul truc qu'on a vu allumé. Qu'est-ce que c'est? Il y a marqué resto et bar. C'est pas un bar tabac? On se le tente? Ah non, on n'a pas fait tous ces kilomètres. J'avoue. Bonjour. C'est juste pour boire un verre, c'est possible ou pas? Oui, j'ai pu. C'est pas un bar tabac. On est où en fait? La Chapelle Royale. La Chapelle Royale. Et? Oui. L'aventure. Bonne année à tous. Nous sommes le lendemain. On a donné de notre personne un petit peu quand même. Je me suis levée très tôt pour faire le montage de ce vlog. Bah étonnamment, ça va.
Eric, ça piquait un petit peu plus, j'avoue, ce matin. Mais sinon, ça va, on a passé une pure soirée. Et comme quoi, les soirées improvisées, enfin en tout cas dans mon cas, ce sont les meilleures soirées. Selon moi, prévoir, c'est un peu s'engager. Oula, on va philosopher en 2023. Et c'est là où il faut que je travaille là-dessus parce que ça me déclenche, je ne sais pas trop, mais ça me déclenche un stress. Mais franchement, c'était trop, trop bien. Par contre, Buffalo, bon, leur pavé de saumon, je l'ai déjà dit, il est exceptionnel, mais on était deux. On a pris un apéro, on n'a pas pris d'entrée, on a pris un dessert. 83€ pour deux personnes. C'est quand même beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de plus en plus, j'apprécie d'aller de temps en temps là-bas, mais je trouve qu'au niveau des tarifs, c'est chaud quand même. Bref, c'était quand même très sympa. Je suis contente de commencer l'année avec vous. Là, vraiment, c'est en temps réel. Hein. Nous sommes le premier, je tourne le premier, je publie le premier. C'est une certaine dynamique, une certaine... Et là où je suis contente, c'est que dans mes vlogmas, j'ai compté, j'ai mis 14 vidéos, ce qui correspond à mon objectif. Je disais, je vais essayer de vlogger, de publier un jour sur deux. Bah, on est bon. Comme je vous ai dit, en janvier, je vais pas faire de projet plus que ça, mais je vais quand même m'efforcer de publier plus de vidéos, de vlogger, et de pas parfois, pendant une semaine, être en dilettante. Il faut que je m'organise. Voilà, bah, je pense que ce sera tout pour ce vlog un peu improbable, hein, ce 31, je vais vous l'avouer. À refaire, mais je ne désespère pas un 31 dans un bar tabac. Pouf. De gros bisous à tous et encore une très très bonne année. Ciao!